me wada gbe nu me oye no do pe na mo nu yi wa tu e to pe san che mi o kulo yi po do ki ka che ko ka lo fe mi nu yi wa tu e to pe san che mi o kulo me wada gbe nu me oye no do pe na mo nu yi wa tu e to pe san che mi o kulo yi po do ki ka che ko ka lo fe mi. Nous étions au congrès de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. Et à cette confédération, je crois, je dois saluer l'intelligence de M. Adiagboni Gassien, le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, qui a su me désigner comme chef de file de la délégation qui doit aller représenter le Bénin à cette confédération. Donc je le salue au passage. Et je vous disais, à cette assemblée générale, nous avons sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons 8 pays d'abord qui ont décidé déjà d'avoir une union des boulangers de la sous-région. Donc ceci est une première. C'est une première en ce sens que nous avons, au vu des difficultés que les boulangers ont eues et ces dernières années, vous allez constater en 2019, on nous a parlé de Covid. Et avec l'apparition de Covid, on n'a pas pu trouver la farine. Et le peu que nous avons eu, c'est des farines très chères que nous avons pu acheter. Et après ceci, nous avons eu la guerre russo-ukrainienne. Et tout ceci combiné nous crée assez de problèmes au niveau de l'Afrique. C'est ce qui a amené les boulangers de l'Afrique de l'Ouest, en particulier les huit pays dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Donc nous nous sommes réunis pour d'abord, le premier objectif, c'est de faire en sorte que les gouvernants de chaque pays et de cette confédération, d'accord, la confédération puisse travailler avec ses gouvernants dans le sens d'avoir comme credo la souveraineté alimentaire. Nous avons déjà l'exemple du Sénégal, c'est très flagrant. Le Sénégal, nous avons constaté là-bas que le pain se fabrique depuis, à base des céréales locales, comme le manioc, la banane et le mil. Alors que l'exemple du Bénin, c'est le manioc seulement que nous utilisons. Donc si nous prenons par exemple l'exemple du Sénégal, comme je le disais tantôt, le Sénégal a importé 700 000 tonnes de farine de blé l'année dernière. Ils prennent aujourd'hui comme objectif désormais d'utiliser à hauteur de 200 000 tonnes les céréales locales. Donc vous imaginez, si sur les 700 000 tonnes de consommation de blé, on arrive à utiliser 200 000 tonnes, vous imaginez déjà ce que ça peut faire pour la production locale, c'est-à-dire l'agriculture au niveau local. Donc je crois que c'est la même chose qu'on va faire aussi au Bénin. C'est vrai, l'expérience de notre confrère de Ouidapin est là. Lui, il utilise déjà dans la fabrication du pain, il utilise déjà la farine de manioc. Donc nous sommes dans la droite ligne d'aider nos gouvernants d'abord dans leur programme d'action, à faire en sorte qu'on puisse booster l'économie au niveau de l'agriculture. Donc voilà les objectifs de la Confédération. Donc je crois dans les semaines à venir, la Confédération va faire des tournées dans la sous-région pour rencontrer déjà les gouvernants de chaque pays membre. Je pense que les acquis du Bénin à cette Confédération, c'est que nous avons eu deux postes. À ma personne, j'ai eu le poste de secrétaire général adjoint de cette Confédération.
et monsieur de nouveau aussi a eu le poste de responsable à la médiation. Donc sur les 8 membres du bureau, puisque nous sommes huit responsables du bureau, nous avons eu 2. Et voilà les 2 postes. Je pense que le Bénin est honoré à cette confédération. Et il va falloir quand même qu'on y travaille pour mériter davantage, puisque le mandat c'est 2 ans, pour mériter davantage l'autre mandat. Alors, ce que je compte faire pour relever le défi, d'abord, je pense à mon pays. Parce que j'ai constaté tous les autres pays, sauf la Guinée et le Burkina, sinon tout le reste des autres pays sont en avance sur nous en matière véritablement d'incorporation de la farine locale, c'est-à-dire l'utilisation des céréales locales. Ils sont véritablement en avance sur nous. Donc il va falloir quand même qu'on travaille, d'accord, même au niveau de la pâtisserie. J'étais vraiment ébloui, je m'en revenais pas, hein. J'ai vu beaucoup de choses et j'étais vraiment content. Donc nous allons y travailler pour que à l'autre mandat, parce qu'on a fixé comme rendez-vous 1 an, dans 1 an nous irons encore à l'AG et chaque pays doit revenir maintenant avec ses performances. Le boulanger béninois doit espérer quand même les expériences que les gens ont eu déjà au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mangé le pain à base de la banane. C'est vrai, c'est semi, hein. C'est une incorporation. On prend un peu la farine de blé et on incorpore la farine, c'est-à-dire les céréales locales. Donc aujourd'hui, le boulanger béninois, par exemple, va gagner. D'abord, parce que quand vous leur parlez aujourd'hui d'incorporation du céréale local à la farine de blé, et beaucoup ne comprennent pas grand-chose. Donc, nous allons maintenant dans ce sens-là. Parce que vous avez vu la dernière fois, jusqu'à maintenant même, c'est difficile pour nous d'abord d'avoir la farine de blé. Et la farine de blé que nous avons, c'est une farine de blé qui est très chère. J'ai constaté au niveau du Sénégal que la farine de blé est à 19 000, d'accord, alors qu'au niveau du Bénin, la farine de blé est à 28 500. Vous voyez déjà la différence. Et si nous utilisons par exemple nos céréales locales, je crois que ça va soulager un peu les peines de nous qui sommes d'abord boulangers. Et avec le temps, nous allons essayer aussi de changer le goût. Hein? Et beaucoup plus, nos pains seront encore plus vitamineux. Je crois que c'est ce que le boulanger béninois va gagner désormais. Le président de la République, M. Patrice Talon, et les membres du gouvernement puissent, nous allons travailler en sorte qu'ils puissent nous comprendre. Nous comprendre pas dans le sens d'augmenter le prix du pain, mais ils vont nous comprendre dans le sens de nous accompagner pour que nous puissions désormais commencer par utiliser aussi les céréales locales dans la production du pain au Bénin. Et je crois que ça va prendre, et le programme que la Confédération est en train de mijoter actuellement, puisque je vous ai dit tantôt, ils seront là. Et je crois que dans ce programme-là, on doit repartir dans les écoles où il y a les cantines pour pouvoir reprendre maintenant le goût que les enfants ont déjà de ce que nous appelons souvent le pain. Si on arrive à leur changer le goût là, moi je pense que désormais on pourra gagner quelque chose, parce que dès que l'Occident souffre de quelque chose, nous, ici c'est fini, on commence pas à courir.